Donc nous sommes ici à Terena, parce que Terena c'est une coopérative qui est gérée par des agriculteurs. Et que donc ce sont principalement nos interlocuteurs privilégiés dans l'achat de la majorité de nos produits. Et que en plus, donc au niveau national, par le biais de COP de France, ils sont les décisionnaires avec la collaboration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la FNSEA. Donc ils sont partie prenante dans ces grandes décisions. On a des suspicions justement, puisque Terena dégage des bénéfices, on peut dire, colossaux. Ils viennent de racheter l'abattoir de volaille Doux, et il faut bien savoir ceci, qu'ils viennent de l'acheter avec leur fonds propres, mais aussi en collaboration avec Sophie Protéol, qui est une société de financement, qui, elle, est présidée par Xavier Belin, lui-même président de la FNSEA. Donc, on ne peut pas être jugé par qui. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour éclaircir les eaux troubles. Aujourd'hui, un agriculteur ne peut pas vivre de sa production. Aujourd'hui, un agriculteur ne peut pas vivre de sa production. Un éleveur vit toute production confondue. Pour l'année 2015, je ne parle pas de 2016 qui va être certainement plus catastrophique, mais en moyenne autour de 3 euros par mois, je dis bien en moyenne 3 euros de l'heure, disons.